Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà une petite vidéo courte de présentation sur la nouvelle pompe de chez Aspen, c'est la Mini Lime S+. Cette pompe, elle est garantie 2 ans. Ici, on y retrouve les schémas de câblage. Une notice en plusieurs langues et le marquage comme quoi la pompe est garantie 2 ans. Donc la pompe est constituée d'un raccord, d'une collerette pour mettre au niveau de la clim. On a une collerette pour le plafond. On a la pompe de relevage qui fait 1 mètre, qui est redécoupable au niveau du plafond. Ouais, je coupe. Alors ici, on trouve le flotteur avec sa pompe de relevage tout intégré. On a le passage des cuivres ici. On a deux tuyauteries pour raccorder ici. L'alimentation, avec une petite explication, on verra ça après, petite explication, et là, on a différents accessoires pour raccorder. Donc voilà, j'ai mis en place la pompe, donc j'ai fait le raccordement ici, directement sur la machine, on a le flotteur, la pompe, l'aérateur, ici on a un système clapet anti-retour et anti-vibration, une sorte de bouteille casse pression pour éviter que le tuyau vibre. En plus ici, qui est fourni avec, on a un maintien. Donc tout ça, je remettrai en place une fois que j'aurai fini mon test d'étanchéité. Je remettrai tout ça en place et je vous montrerai après. Voilà, c'était une petite vidéo rapide sur la présentation de la pompe S-Line Plus de chez Aspen Group. Voilà, dis-moi si cette vidéo elle t'a plu. Je suis désolé pour le bruit de fond, on était plusieurs sur le chantier, donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça, un peu brute, vraiment des conditions réelles du chantier. Donc je t'ai présenté un peu ce que contenait la pompe. La grande force, c'est qu'elle a un capteur capacitif et non plus un flotteur, ce qui va éviter le blocage du flotteur et éviter que la clim ne déborde. On est sur une technologie beaucoup plus fiable. C'était vraiment une vidéo ultra rapide pour te présenter un peu le produit. Si vraiment tu es intéressé, dis-moi dans les commentaires si tu veux qu'on fasse une vidéo ou un live directement sur les pompes de relevage, leur dimensionnement, comment choisir une pompe de relevage et quel produit est adapté à ton installation. Voilà, n'hésite pas dans les commentaires.